Alors, on va voir c'est quoi le global scope. Voilà, global scope, c'est bah, ces variables qui sont déclarées hors des blocs. Exemple, color, c'est déclaré hors des blocs. D'accord? Et voilà, ce qui est intéressant, voilà, je vais essayer de taper ça. Hop. Const color égale blue. Ok. Je fais const. On peut même retourner une variable. Ah, donc une fonction color là. Hop. Ok. Donc qui est définie. Hop, hop. Voilà, enfin, return color. Ok. Ah, je fais console.log, hop, je fais un return skycolor, ok. Voilà, on va retourner bleu, ok. Alors, même si la variable est définie en dehors du bloc, ce qui est défini globalement, global scope, voilà. Alors, je vais écrire trois variables globales, okay, qui vont s'écrire. Alors, const. Satellite égale Blue Moon. Ok. Ok. Alors, North. Ok. Star. Ok. Voilà. Donc ça. Alors, on va créer une fonction qui s'appelle call my nice sky. Ok. Je sais pas comment il veut que j'appelle la fonction là. Le nom là, hop, voilà, c'est mieux. Enfin, return, ok. Et voilà. Donc, on va loguer le truc. Okay. Voilà. Block scope. Ok. Donc du coup voilà. Bon déjà global scope c'est pas mal.